circuit was quite dry, so it's no point running further because the feeling, you know, the rear guard. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du championnat 1992 Formule 1 ici en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Alors, donc c'est parti, on va garder, j'ai tout gardé par défaut en fait, parce que chaque fois les réglages par défaut sont plutôt bons. Donc, on va commencer direct la qualification. Et donc, temps nuage sec, je pense que ça devrait bien se passer, même s'il pleut, comme vous le savez assez souvent. En Belgique. Cette route de campagne serpente à travers les forêts des Ardennes en Belgique et ses virages comptent parmi les plus difficiles des circuits automobiles. Et là, on va accélérer un peu le temps. Je sens qu'il fait de plus en plus. Non, ça, il fait pas beau. Là, c'est bon. Là, c'est un fort un peu meilleur. On va prendre joindre la piste. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix de Spa-Francorchamps, face au circuit de Spa-Francorchamps. Avec la fameuse, bien entendu, montée de l'eau rouge. Et la longue ligne droite qui la précède. Enfin, qui suit, pardon. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de distance de course avec 12 tours. Je pense que ça sera peut-être un peu plus long que d'habitude, justement, parce que c'est un des circuits les plus longs de l'année, hein, parce qu'il fait quasiment 7 km. Je crois qu'il y a 6 km, 998, quelque chose comme ça. Alors moi, il a même fait 7 km. A voir avec la nouvelle chicane, hein, s'il a pas perdu un petit peu en distance. Mais je pense que oui. En vrai, il n'y a pas de dégagement en bitume. On reste sur de l'herbe. Mais encore en 99 et... Il n'y a pas trop de dégagement encore. Comme maintenant. C'est plutôt le cas. Allez, on va arriver là où Burti s'est écrasé avec Irvine, voilà. C'était un tout petit peu avant. Et le gros freinage avec la chicane. Deuxième chicane, et donc arrivé sur la fin du premier tour. C'est parti pour un tour chronométré. Alors, en 99, il y a eu ce fameux premier virage entre les deux McLaren à nouveau, qui s'est plus ou moins bien passé, mais c'est Coulthard qui avait pris le meilleur sur Hakkinen. Et du coup, les deux McLaren qui ont dominé plus ou moins la course n'ont pas eu l'autorisation de se dépasser. Donc Coulthard a remporté la victoire. Bon, pour l'instant, niveau... comment dire... Niveau tenue de route, ça se passe super bien. Est-ce que je peux le prendre à fond? Ouais, on peut le prendre à fond, hein, ce virage. Wow, wow, c'est bon, ça passe. Je suis en avance même sur la quai de 4 secondes. Tout va bien. On va pas freiner trop fort ici parce que sinon la voiture elle va partir directement dans les stands. La descente qui était assez d'ailleurs dangereuse, hein, qui n'est plus trop le cas maintenant puisque ça c'est après la chicane.
Et c'est le 9ème temps, on avait fait 4 secondes d'avance et finalement 9ème temps. Je suis surpris parce que j'en sais vraiment avoir beaucoup d'avance. Pas du tout. On va essayer de faire une deuxième tentative, hein, on va voir si on peut faire un peu mieux. Alors je pense que c'est difficile de faire mieux dans les premiers secteurs, c'est vraiment dans le dernier, il faut absolument que je fasse beaucoup mieux. Eh, je m'attendais vraiment à faire une position facile après le deuxième secteur, mais en fait pas du tout. Même que je suis en retard dans les secteurs. Eh non, toujours en avance, 2/10. Alors c'est par rapport à... c'est fichu. Ouais, je pense que c'est fichu. Parce que là j'ai perdu trop de temps dans le... Ouais non, j'ai perdu trop de temps, bon c'est pas grave. On va faire fin de qualification. Et du coup on va voir qui c'est qui va partir en pole. Réglage de voiture, on va laisser comme ça. Pour le sens ça me paraît plutôt correct. Voilà, on va lancer la course. Donc désactiver, ouais c'est bon, tout va bien, c'est parti. Donc je vois une Ferrari derrière nous. En pole position, David Coulthard. Près de lui se trouve Mika Hakkinen. Et en troisième place nous retrouvons Heinz Harald Frentzen. En quatrième, Eddie Irvine. En cinquième place, Damon Hill. En sixième place, Jacques Villeneuve. Septième place, Rubens Barrichello. Ouais, sur la même place, 7ème et 8ème. Donc nous on partira 10ème. Alessandro Zanardi. 10ème place, Stéphane Sarrazin. 11ème position. William, salut. Alors ça va être l'occasion justement, comme les Ferrari sont un petit peu dans le mal en cette seconde partie de saison, pour les autres constructeurs de marquer des points justement. Pedro Diniz. 15ème place, Giancarlo Fisichella. Ok, Trollisonta, Wurtz. Pas de grosse surprise, on va passer à la suite. Et donc c'est la 10ème place sur le départ. Allez, départ lancé. Le départ est lancé, pas départ lancé bien sûr. Il réduit l'écart, il les sépare. Oh ça alors. Ouh, on s'est totalement loupé, on passe à l'extérieur. Oula bah du coup on a perdu 2 places quasiment. Ok. On a essayé de reprendre notre dû mais c'était pas évident. Allez, dans la montée. Sur la petite sphère de frame rate. Et gros freinage. Au devant, c'est parti très très fort. Ils sont vraiment rapides au premier virage. Oula, on peut toucher. À l'intérieur. Bon, derrière ça suit pas, on a commencé à faire le trou. Par contre, devant, c'est plus que rapide. Ouais, j'ai l'impression qu'en vitesse de pointe, on va être pas mal. Pourtant, c'est bizarre, c'est dans le dernier secteur qu'on se loupait. Ah oui, voilà, c'est parfait. Allez, on va se décaler à gauche. Ouh, oui, il est bien parti. Parfait, c'est passé. On va voir, allez, la chicane, comment ça se passe. Oh, regardez-moi ça. Oh, comme il passe super vite, je comprends pourquoi je perds aussi 3-4 secondes. C'est impressionnant, la vitesse où ils vont. C'est totalement irréaliste d'ailleurs. Ok, donc on l'a un peu mieux pris, mais on est toujours talonné derrière par Barrichello. Non, pas par Barrichello, par Herbert. Allez, il reste... Non, 10 tours pendant, j'ai 12 tours, mais c'est 10 tours. Mais c'est 10 tours sur le circuit le plus long. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour le moment, bah, on a gagné qu'une place en un tour, donc ça craint un peu. On sait jamais. Mais qu'il y avait des baisses de rythme des fois, et des montées de rythme. Pas des montées de lait, hein, attention. Ah, allez, du coup, on va revenir sur la Ferrari d'Irvine, je pense que ça aurait été plus loin. Ouais, c'est bon, on va se décaler à gauche. Il vient de à l'intérieur. Incroyable manœuvre. Là, je peux passer à fond. Ouh, j'ai essayé d'éviter. C'était compliqué. Oh, il y a un bouchon devant.
Et ouais, il y a une Stewart qui a... Ah non, mais deux Ferrari sont passés en fait, donc c'était salaud. Donc ce soit une Williams devant. Mais non, c'est bien une Ferrari. Ouais, donc les deux Williams étaient bien placés. On va essayer de perdre trop de dégâts parce que sinon, ça va être la fin pour nous. En tout cas, c'est pas dans cette épingle que je vais faire la différence. Et voilà, et du coup, qui c'est qui s'est fait avoir? C'est nous, du coup, Salo nous repasse. Donc, en tout cas, course intéressante, ça fait plaisir. Il remonte rapidement derrière lui. Et on perd du temps. Ah, c'est un secteur là hein, qu'on revient plus ou moins. Dans la double gauche, ça devrait être un peu mieux. Ah, Lia le prend super vite aussi. Je ne peux pas le croire. Ah, on est 8ème, il y a eu un abandon peut-être. Enfin, toujours été 8ème en fait, donc c'est tout à l'heure que ça s'est passé. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Et on n'est pas spécialement rapide, hein. Enfin, ça dépend des virages. Et pour le moment, si on veut en tout cas marquer des points, il va falloir qu'on aille encore plus vite. Parce que la chicane, je suis super lent. Ah, c'est bon. Ça se resserre. Oh, je faisais totalement à l'intérieur. Oh mon dieu. Il réduit l'écart qui les sépare. Il remonte rapidement derrière lui. Va-t-il réussir à le dépasser? Oh, la Jordan qui m'a envoyé dans le mur. Mais ah, ça lui a pas plu. Je crois que c'était Frenzen. Frenzen ou Hill. Il est second. Démonie, il est second sur la Jordan. Je suis en train de m'en rendre compte. Ah ouais, et puis en plus j'ai plus de grip, vous l'avez vu. Oh la Jordan qui m'a mais pourri. Et j'ai même plus de... Bah oui, c'est ce que je fais. Regardez la voiture, elle est totalement démontée. Et je crois que notre course est terminée, hein, parce que là, regardez, j'ai plus de vitesse de pointe, plus rien. Ouais, non, ça glisse trop. Ça glisse trop, je dois rentrer au stand pour réparer. Là, pour l'instant j'essaye de maintenir mais ça part d'un coup. Hein. Ça glisse totalement de l'arrière. Oh la Jordan elle m'a mais... je sais même pas comment elle fait pour être encore en vie. Ouais c'est passé. Regardez la vitesse de pointe. Hein. 200, 213, je suis totalement à l'arrêt. En plus, il va falloir que je m'arrête au stand. Alors, seul avantage de l'arrêt au stand, c'est que je vais pouvoir aller à fond plutôt que de prendre la chicane. Mais je vais pas non plus gagner trop de temps. On perd beaucoup. Pour l'instant, ça passe. Ah, c'est dommage. C'est dommage, là, on était bien remonté. Il a percuté le mur avec... Oh là là, mon dieu! Oh, c'était imparable. Alors, c'est ce qui est énorme, c'est que l'aileron avant bouge pas. Mais l'arrière est totalement démoli. Il a rebondi contre le mur. Bon, ben voilà. On a perdu beaucoup de temps. On va ressortir, pas dernier, hein, mais bon, on va sortir assez loin. On ressort 12ème. Avec une voiture un peu plus en forme, mais non, mais par contre, je pense que les places c'est mort. Oui, il est bien parti. En tout cas, je suis repassé
Peut-être qu'avec des meilleurs pneus. Ouh la vache! 197 km/h. Ah oui, c'est beaucoup plus rapide. Regarde la différence. En ligne droite, tout à l'heure, j'étais à 260 maximum avec les dégâts. Maintenant, c'est mieux. Bon, du coup, on va essayer. On va essayer de reprendre un petit peu d'avance. Enfin, de reprendre un petit peu l'écart perdu. Ça va être compliqué. On est à mi-course. Hein. Mais pourquoi pas. En tout cas, on revient fort sur. Sur la Sauber. Oh mon dieu, on va la griller complètement. Alors je pense que ces thématiques sont peut-être endommagées, hein, parce que vous avez vu, là c'est vraiment. Là je me suis rendu compte que les dégâts ont quand même une importance assez énorme dans ce jeu. Même s'ils sont difficiles à avoir. Oh là là, mon dieu, regardez, derrière c'est en train de se bouchonner. Et j'ai reperdu la position. Il réduit l'écart, il essaie. Ouf! Heureusement que le Vibro m'a envoyé à droite. Regardez-moi ça. Regardez la différentielle de vitesse. Je sais pas comment c'est possible. Mais si c'est comment, effectivement. Je comprends pourquoi certaines voitures sont beaucoup plus lentes. Dans les courbes, ça va, mais je sens que le moteur, ça va pas du tout. Allez, on va arriver au 6ème tour. Vigne 8ème. Ouais, c'est. C'est venir. C'est presque une mission impossible. Mais je suis quand même bien remonté. Regardez la ligne droite hein, sur le circuit. Ils sont quasiment au bout. Alors que nous on est. On est au début de la ligne droite, voilà. Ils ont déjà passé la chicane, ils sont en train de redescendre d'en bas. Ouais, ça va être. Ouais, c'est trop compliqué. J'ai essayé de récupérer peut-être la 8ème place, mais. Quoi qu'avec les dommages, peut-être que la Jordan est beaucoup plus lente maintenant, donc peut-être qu'elle fait bouchon, je sais pas. C'est très difficile à dire. C'est incroyable. Ah, j'en ai eu, c'est incroyable. J'aimerais qu'il y ait des abandons devant, hein, c'est peut-être ma seule chance. Si par exemple un ou deux pilotes abandonnent devant, on peut se retrouver dans les points. En tout cas, on revient sur Villeneuve. Même plus que revenir. On fonce sur lui. Et à la 7ème place, peut-être atteignable encore. Ça dépendra de la vitesse sur laquelle on arrive à reprendre le temps sur, sur la BAR. Ok, salaud 7ème, 9 secondes, 14 secondes. Nika Kien qui a fait le meilleur tour. Ouais, c'est à dire qu'en fait, je suis peut-être plus rapide que les gars devant, mais par contre, des McLaren, c'est pas le cas du tout. J'aurais fait quand même pas mal d'erreurs cette course. Si on nommait effectivement un accident avec le Jordan qui est totalement inévitable, le reste était quand même pas non plus la faute des IA, hein. C'est plutôt de mon côté. Allez, on va remonter sur la BAR. Il réduit l'écart, il les sépare. Bon, l'extérieur, du coup c'est compliqué, donc peut-être que là c'est bon. On va voir dans le double gauche comment ça se passe. Alors on va rester à l'intérieur. Quelle manœuvre incroyable. Et ça passe, parfait. On va aller chercher Salo maintenant. On a un bon rythme, hein, mais c'est malheureusement ça risque assez tard. Quoi qu'on regarde, hein, sur la carte, on est en train de revenir. Aussi sur le groupe devant nous. Enfin, j'ai l'impression un petit peu quand même. Ah oui, on revient plus que un peu. Va-t-il réussir à le dépasser ? C'est bon, on va en profiter pour le dépasser maintenant. C'est bon, on a réussi à passer la chicane comme il faut. Réaccélération, ça passe aussi. On va voir l'écart devant nous. Barrichello. C'est vrai qu'il y a un énorme.
Énorme trou entre Salo et Barrichello, mais on va peut-être pouvoir aller chercher finalement. Hein. Il reste 3 tours. On va voir, pour l'instant, sont dans la ligne droite, on va peut-être même pouvoir les apercevoir au loin. Pour moi, cette course, elle aurait été à suspense, mais de rien. Ah, ils ont passé, non, ils ont déjà passé là. Ah, j'ai tué tout droit. Ok, bon, bah, je me suis complètement coupé, c'est pas grave. Même si j'ai pas gagné un petit peu de temps aussi. Bon, c'est léger, hein, parce que j'ai vraiment freiné en essayant quand même de prendre le virage. Je suis complètement à l'intérieur. Relancer la course. Ah, alors qu'il y a encore à relancer la course, est-ce qu'il y a un abandon? Non, j'ai pas l'impression pour le moment. Pour 7ème. Vous savez que le moins d'abandon devant, c'est les points pour nous. Hein. Alors 4 secondes avec Barrichello. On va pouvoir comparer dans les autres secteurs après. Ça va être compliqué, il reste 2 tours maintenant. Ok, pour l'instant la chicane on la prend bien, du coup on récupère un peu plus de temps. Michael toujours 3 secondes. Ils sont tous, par contre il se défend super bien. Deuxième, ça va faire des gros points pour Jordan ça. Akinen 3ème, Orvain 4, 5, Saf Schumara. Si le spectacle ne vous fait pas chavirer, alors je n'y comprends plus rien. Allez, en train de revenir au fur et à mesure. Et on les voit hein, devant. Ouais, vous voyez, j'ai pas forcément gagné trop de temps tout à l'heure en tout droit. Hein, parce que j'ai vraiment freiné. Là, j'ai beaucoup moins freiné. Et finalement, c'est passé aussi. Et on est revenu. On a recollé le groupe. Il réduit l'écart qui les sépare. Alors, c'est là où ça va être intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir passer avant le double droite, double gauche, pardon? Ouais, on va tenter, c'est bon. Et du coup, on est dans les points, 6ème position. C'est tout droit, le chemin. Je pense qu'il doit y avoir des dégâts devant parce que franchement, être aussi lent alors que le McLaren a fait le meilleur tour que j'ai jamais réussi à battre d'ailleurs. Il y a ce Frenzen. Alors, Frenzen, lui. Va-t-il réussir à le dépasser? Ouais, j'ai totalement ralenti. Si, parce que du coup, bah, ils sont super lents à cet endroit, alors que le steward va essayer de m'avoir. Je me suis totalement loupé à la chicane, du coup. Nous sommes à la moitié de la course. Ouais, c'est plutôt le dernier tour. Et la réaccélération. On va passer à l'extérieur, sur la Williams. Oui, tout va bien, ça passe. Oh, il m'a repassé. On va reprendre l'aspiration sur la Williams à nouveau. Là, je peux pas aller plus vite. Là, je peux pas aller plus vite. Mais non, ça va être compliqué. Très compliqué. Allez chercher. Ils ont accéléré le rythme d'un coup, regardez-moi ça, c'est incroyable. Ah ouais, je sais pas si je vais pouvoir passer. J'étais plutôt confiant en arrivant sur le top là, mais là d'un coup. Oh, à l'intérieur, oui! Oh, c'est un très beau dépassement! Bon, je sais, je jette des fleurs, mais là quand même, c'est plutôt joli. On est 5ème. Ah, par contre, le groupe devant, à moins d'avoir vraiment gagné de la vitesse là, et où se loupe entre devant. Allez, ils sont à 3 de front. Il remonte rapidement derrière lui. Oh! Et oui, on va toucher la Jordan, et je me suis vengé! On a repris la deuxième place et c'est Irvine qui va remporter la course. Les adversaires devront en tirer le
Regardez, on a fait se faire encore rentrer dedans. Eh, franchement, l'arrivée, on s'est vengé des Jordan, mais c'est parfait. Bon, ben voilà. Écoutez, course terminée. Donc du coup, Irvine remporte la course, ce qui n'était pas prévu du tout, normalement, vu comme ils étaient assez loin. Mais je pense que c'est ça, hein, les McLaren ont peut-être été touchés, ou je sais pas quoi, il y a un énorme bouchon. Il troisième, donc quand même bon résultat, un podium pour Jordan. Quatrième Coulthard, cinquième Häkkinen, sixième Ralf Schumacher. J'ai hâte de voir le classement constructeur et pilote quand même, parce que peut-être que ça va changer un tout petit peu. Alors nous on perd des points sur Ferrari par contre. Évidemment, on perd 4 points. Mais vu comme ils sont loin, je... Ben non, ils sont pas loin en fait, ils sont en nous. Alors... Le classement des pilotes. Eh ben, heureusement qu'on n'a pas terminé dernier, enfin en tout cas hors des points. Parce que du coup, on aurait quand même... Alors juste pour rigoler, on a fait tomber Häkkinen de à peu près... on a fait tomber Häkkinen d'un point, donc il aurait 61. Et nous, on aurait eu que 72 points, donc on aurait eu plus que 11 points d'avance. Là, on a 18, donc c'est un peu mieux pour nous. Bon, ça reste confortable, hein, c'est un beau matelas. Irvine, donc du coup, qui repasse Michael Schumacher au classement. Ok, on va voir au niveau constructeur. Et voilà, comme je vous l'ai dit, malheureusement, sur Ferrari, on perd 4 points. Et là, ça commence à devenir chaud. On a 11 points de retard sur Ferrari. Bon, par contre, sur Jordan, c'est bon. Jordan qui, du coup, marque de gros points et s'éloigne de Williams. Pour TBR. Donc, 7 constructeurs ont marqué des points. On a marqué que Sauber n'en a pas marqué. Bon, un Rose Minardi, on s'en doutait. Et... Il manque une équipe, du coup. Parce que là, on arrive à 10. Il y a encore une équipe qui n'a pas marqué. Attendez, on a ouais, Arrows, Minardi et Prost qui n'a pas marqué de points. Enfin, donc on va passer à la suite. Du coup, bah, j'espère que cette course vous aura plu. En tout cas, ça a été plutôt pas mal, hein, plutôt intéressant, pas mal de suspense jusqu'à la fin. Voilà, tout regretté finalement au dernier moment. Et la prochaine course sur Le Monza, je vous dis donc à la prochaine pour la manche 13 du championnat 99 de Formule 1. À la prochaine, ciao tout le monde.